Voilà, bonjour, bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Voilà, c'est Franco, hein, c'est Franco le mignon. Ce matin, je vais faire un petit direct surprise. Un petit direct surprise parce que depuis avant-hier, je suis en train de vivre un phénomène de ce côté de la diaspora et je me trouve concerné parce que quand on boycotte les influenceurs, quand on boycotte les artistes, nous sommes des influenceurs, nous sommes des artistes. Donc c'est tout à fait normal que je me pose des questions. Certes, je n'ai pas encore commencé à faire des voyages, mais ça va venir. Alors si on reste indifférent, si on reste tranquille, ça veut dire qu'on supporte, qu'on encourage ce que nos frères camerounais sont en train de faire du côté de la diaspora. Vous savez, moi je ne sais pas si c'est la jalousie ou si c'est quoi. Vous êtes en train de vous plaindre que nous les artistes, nous restons indifférents face à tout ce qui se passe au Nozo. Moi je ne vous donne pas le tort, hein. Vous avez parfaitement raison. Mais le fait de boycotter, parce que Nathalie et Muriel, elles ne sont pas venues en France pour faire la politique. Elles ne sont pas venues en France pour parler des trucs de piment que vous êtes dans. Elle est venue faire la déclaration de son livre. Mais moi, je ne comprends pas comment vous pouvez vous acharner sur ces deux femmes de la sorte. Franchement, moi, je n'ai rien. Je ne connais pas Nathalie. Hein. Je connais Nathalie sur les réseaux sociaux comme vous. Je n'ai jamais rencontré Nathalie. Excusez-moi pour le soleil. Hein. Je suis chez moi. Voilà, ça, c'est mon domicile. Parce qu'il y a certaines personnes qui m'insultent, villageois. Je suis vraiment un villageois, vous voyez, je suis en Beauce. Gars, ça c'est mon camp, vous voyez, ça c'est mon domicile, vous voyez, non. C'est chez moi. Ça c'est la maison que j'ai construite avant d'être influenceur. Oui, c'est mon domicile, c'est chez moi. Mieux un villageois hein, qui a construit en Beauce, qui vit chez lui, qu'un bon stadien, donc qu'un gars free qui vit à Bastos, mais qui est en location. Vous comprenez, donc je suis chez moi. Je fais le direct comme ça chez moi, donc voilà, il y a un peu le soleil qui sort là, donc je vais un peu me reculer. Donc j'étais en train de dire, vous vous souvenez, j'ai fait un direct. J'ai fait un direct quand on a tué la petite fille, quand le policier avait tué la petite fille à Boya. J'étais le seul, moi je parle bien, le seul influenceur camerounais qui a fait un direct ce jour-là. J'ai fait deux sorties ce jour-là. J'ai d'abord fait une première sortie pour annoncer, pour dire que je dois faire un direct. Après, j'ai encore fait le direct où j'avais mis le drapeau derrière moi pour dire non. Et j'avais même dit dans ce direct-là que le président de la République doit parler. Jusqu'à ce qui s'est passé sur TV5 Monde. Si vous vous souvenez bien de cette vidéo, c'est passé sur TV5 Monde. J'ai failli supprimer cette vidéo parce que les injures que j'ai reçues, mec. J'ai même fait une seconde vidéo au lendemain pour dire que plus jamais, quel qu'en soit ce qui se passe au pays, je ne vais plus jamais parler. Parce que j'ai reçu des flèches, des injures. Tu es qui pour parler de tu fais la politique. Vous voyez, c'est-à-dire que quand il y a un problème, nous en tant qu'homme public, en tant qu'influenceur, quand nous on vient, qu'on agit, ça revient qu'on fait la politique. On soutient tel parti politique, on soutient tel machin, ou c'est quoi, ou vous parlez de quoi, des Sadina et des Tondina. C'est vos choses, c'est vos machins là-bas. Vous comprenez? Moi, je fais la sortie aujourd'hui là. Parce que, franchement, j'avais décidé même que les choses de ce pays-ci là, franchement, je ne parle même plus. Bah, quand tu parles, c'est que, oh, vous allez voir, après mon direct-ci, vous allez voir en commentaire, les gens qui vont m'insulter. Imbécile, machin, machin, machin. Franchement, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Vous ne pouvez pas jusqu'à aller verser la poudre sur Aïcha Kamoaz. Franchement, c'est honteux de présenter ce genre d'image dans le monde entier. Vous boycottez les artistes. Est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est nous qui provoquons les guerres, la guerre là-bas au Nozo? Attends, vous pensez que nous, les artistes, là, même si on parle qu'il y a quoi là-bas, ça va changer quoi? Attends, parlons vrai. Donc tout ce que vous avez à chanter depuis là, vous avez à taper les casseroles là-bas en bain.
vous avez à tout faire là-bas en bête. Que, il y a ceci, il y a cela. Donc, vous pensez que même si les artistes parlent aujourd'hui, ça va être plus fort que ce que vous avez, vous, la basse. Ça va être plus fort que ce que vous avez à faire là-bas en bain. Ça va être plus fort que ce que vous avez à parler là-bas. Quel pays ne connaît pas ce qui se passe au Cameroun? Quel pays ne connaît pas ce qu'on vit au pays? Quel pays au monde ne connaît pas? Vous avez à taper. Qui ne connaît pas la basse? Donc vous pensez que ce sont les artistes qui vont venir aujourd'hui bavarder plus que tout ce que vous avez eu à faire? Non, franchement, à un moment donné, il faut arrêter. Parce que moi, j'appelle ça le chômage. Moi, j'appelle ça le chômage. Parce que quelqu'un ne peut pas avoir un bon boulot digne. Quelqu'un ne peut pas avoir un bon boulot digne, responsable. Il abandonne son boulot, il abandonne sa famille pour se retrouver dans la rue. Il est qui bagarre. Moi, je vous soutenais que pour les trucs que vous avez fait autrefois, ou c'était quoi, machin, vos trucs de politique que vous faites. Oui, c'est normal, il faut le changement. Moi, je ne suis pas contre le changement. Mais peu importe celui qui est là, mais il faut le changement. Vous comprenez? Bon, là encore, on pouvait encore accepter. Mais vous dites que vous boycottez les artistes. Vous empêchez les influenceurs. Mais pour nous quoi, mon frère? Pour nous quoi là-dedans? Nathalie est venue présenter son livre. Vous dites qu'elle va aller à Bamenda présenter son livre. Vous vous souvenez, l'artiste-ci qui a les rondelles là, comment on l'appelle encore là? Elle a fait aussi une sortie comme ça, toujours par rapport à la situation de la fille là. Majoyer. Majo Aïe a fait une sortie, c'est vrai, elle avait fait une erreur de publication, selon ce qu'elle a dit, que c'était son comité manager. Mais vous avez vu les flèches, non? Hey, si la femme n'était même pas folle, elle pouvait même prendre la corde. Parce qu'elle a voulu aussi parler, elle a voulu aussi dénoncer ce qui se passe. Alors maintenant, quand vous sortez les flèches contre elle, comme ça, vous pensez que même si demain, si encore n'importe quoi, elle peut parler. C'est vous qui dites que non, on doit dénoncer tout ce qui se passe au pays. C'est bien beau. Mais c'est toujours vous, dès qu'on veut parler, vous nous insultez. Mais attendez, à un moment donné, nous sommes même où? Nous sommes même où? Qu'est-ce que vous voulez même concrètement? Qu'est-ce que vous voulez? C'était le dire. Moi, j'ai fait ce petit direct là juste pour dire, franchement, il faut arrêter. Il faut arrêter avec vos histoires. Vous avez boycotté, non? Même pas que vous avez boycotté. Vous avez cru boycotter parce que, malgré tous vos tapages, Nathalie a présenté son livre. c'est ça qui me wanda même. C'est ça qui me surprend. Malgré tous les tapages que vous avez fait, les gars, Nathalie a présenté son livre. Donc, ça veut dire que la seule dame là vous a tous dépassé. Elle vous a dépassé. Elle a présenté son livre. Moi, j'étais surpris de voir certaines vidéos où les gens devenaient déjà tellement responsables, tellement les gens parlaient tellement bien face à la police. Mais pourquoi vous n'avez pas tapé alors les policiers comme vous êtes trop forts? Moi, je ne suis pas. Moi, je vous dis, parce que même si demain j'arrive en bain, vous me boycottez, moi, je sais que je n'ai rien fait. Je ne suis pas contre la basse. Et non plus pour dire aussi que je les soutiens. Chacun a ses opinions. Vous défendez vos causes. Moi, je ne suis pas contre ça. C'est vos opinions là-bas. Mais, déjà venu jusqu'au point de nous attaquer, nous provoquer. Parce que, j'ai suivi, j'ai même fait la vidéo où la femme disait qu'ils ont raté Steve. Franchement, hein, il faut arrêter. Parce que si vous dites que vous avez raté Steve, c'est quand même c'est moi qui viens demain. Vous allez me toucher. Les gars, arrêtons la sorcellerie. Mettons-nous au travail, mon frère. Mettons-nous au travail. J'ai même publié, posté une photo tout à l'heure. Une dame là, moi je ne veux pas parler son nom, je ne veux pas faire sa pub. Elle est en train de brûler le livre de Nathalie. Aïe! Non, la honte est finie. Je vous ai dit dernièrement que si quelqu'un vous dit un jour qu'il a déjà tout vu, amenez-le au Cameroun. Faites-le venir. C'est où il va découvrir que en réalité il vient de naître, il n'a même encore rien vu. Vous comprenez, non? Parce que mes frères avaient la sorcellerie. Dis-moi, je ne comprends pas, vous comprenez. Tu brûles le livre de quelqu'un. La pensée. Mais vous savez même comment on fait pour écrire un livre, tu brûles par rapport à quoi? Parce
Parce que c'est même pas, elle ne brûle pas parce qu'elle veut brûler. Ça, c'est le buzz. C'est-à-dire qu'elle elle veut se faire voir. Elle veut qu'on parle aussi d'elle. Franchement, c'est souillant. C'est très souillant. Vous comprenez, non? Je vais lire les commentaires tout à l'heure et je vais vous répondre. Moi, c'est juste un petit direct juste pour dire que, franchement, les gars, quand on dit que on veut le changement, qu'on veut le développement, c'est pas dans ce sens-là qu'il y aura changement, qu'il y aura développement. C'est pas dans ce sens, c'est pas en combattant nos propres frères, c'est pas en bagarrant entre nous qu'il y aura changement. Ça, c'est plutôt la division. Et quand il y a la division, plus il y a la division, plus il y a le mal qui monte et le diable profite pour s'incarner, pour s'intégrer, pour gâter tout. Parce que vous ne pouvez pas chanter chaque jour. C'est vous là-bas, c'est vous là-bas, vous chantez chaque jour qu'il faut le changement. N'est-ce pas? Moi, je prends juste vos mots, vos propos. Il faut le changement. Oui, il faut le changement. C'est dans ce sens-là qu'il faut le changement. Vous ne pouvez pas dire qu'il faut le changement. Bon, Aïcha Kamoa, si par exemple, demain, elle devait soutenir le fait qu'il faut le changement, quand vous versez la poudre sur elle comme ça, elle sera encore contente un jour de vous. Ha! Non, avant de poser les actes, c'est toujours avec les mêmes gens que vous vous dites que vous allez cohabiter avec eux pour le changement. Et c'est toujours les mêmes gens-là que vous les combattez. Quand vous commencez à combattre les artistes, pour rien, hein, pour rien. Parce que autrefois, on avait dit que vous avez combattu certains artistes qu'ils ont soutenu. Ils ont soutenu le régime en allant prester. En allant prester. Bon, là-bas, ça avait un peu un sens parce que là, ils avaient choisi un camp. Et selon vos idéologies, vous étiez contre. Ok, cette fois-ci, vous boycottez Muriel Blanche et Nathalie quoi? Pourquoi? Non, répondez. Pourquoi? Bon, vous avez suivi un jour Muriel Blanche ou Nathalie quoi? A fait un post pour dire que je soutiens tel parti. Vous avez vu un jour les deux femmes-là ont présenté la carte d'un parti politique. Vous les boycottez donc maintenant pourquoi? Hein? Ça, c'est la jalousie. Ça, c'est la jalousie. Et nous sommes dimanche. Allez à l'église. Repentez-vous. Comprenez, non? Passez un bon dimanche et passez une bonne journée. C'était un petit direct juste pour manifester mon mécontentement. On est ensemble. Je n'ai rien contre qui que ce soit. Si vous voulez, vous me boycottez quand il va arriver. Bon, je n'ai même pas encore le programme. C'est peut-être même dans 5 ans. Mais, gars, bon, voilà, j'étais chez moi, je présentais un peu ma case. Bon, d'ici peut-être 2 ans, je vais construire vraiment une maison digne d'un influenceur. Les gars, on est ensemble, c'est le travail qui paye, mon frère. Le chômage n'est pas bien. Allez au work, mon frère, travaillez. Laissez les réseaux sociaux, parce que sur Facebook, là, tout le monde est roi, tout le monde est champion, tout le monde peut dire ce qu'il veut. J'ai suivi un direct là où on insultait certaines personnes, je ne vais pas parler leur nom. Ils insultaient, vous faites les tapam, pam, 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 pam. Vos mamans, j'ai suivi le direct là, je vais aussi citer le nom de celui qui fait le direct que j'ai suivi. Il disait que, vous faites le bruit là-bas. Or, il a cité 2 noms. Les deux là ont déjà perdu leur maman. On a enterré, les gars ne savent même pas où il y a les tombes de leur maman. Ah, c'est bien beau de combattre, mais la suite alors. Parce que, mon frère, on enterre ma mère, je ne suis pas là. C'est qui m'a mis au monde. Ça fait mal, hein? Ça fait mal. Donc, les gars, combattons dans le bon sens. Je suis parfaitement d'accord qu'il faut le changement. Hein. Pour ça, tout le monde, mon frère, parce que même nous, là, au pays, ça ne nous laisse pas. C'est chaud. C'est chaud. Il faut vraiment... Peu importe qui est là. Moi, je n'ai pas de problème de qui que ce soit, machin. Mais il faut le changement. Oui, il faut le changement. Mais tant que parler de l'Afrika Food dernièrement, là, que... Oui, on tape les casseroles pour Samuel et tout, oui. C'est bon. Mais l'ongambé, comme il a toujours dit l'autre jour, est-ce que, quand si ça arrive que c'est toi qui prends le haut là. Pardon, je suis un peu souffrant. Si ça arrive que c'est toi qui prends le haut là, Ngambé, je dis que même que c'est notre souhait à nous tous. Tout le monde est derrière toi. Mais il ne faudrait pas qu'on soit derrière toi et qu'après c'est le ndem.
Faut pas qu'on te soutienne comme ça, que tout le monde tape les casseroles, tout le monde tape le couvercle des mamies, de leur maman. Dès que tu prends le voilà, un an après, on ne voit aucun changement. Parce que j'ai lu, certains disent que le Gambien est même prêt à construire la Fekafoot, est prêt à changer le voie et tout. C'est beau, hein? C'est bien beau quand on parle. Mais c'est quand tu es dedans là que tu comprends que, mec, l'affaire là n'est pas facile. Mais on a confiance quand même au Gambé. Donc, le Gambé reste le Gambé. Il faudrait que dès que tu prennes les règnes de la Fekafoot à Longambé, tu gères vraiment tous les dossiers, les ouais qu'on entend que les agressions dans les trucs, machin, pour mettre le nom dans la liste de la compétition, machin. On ne veut plus entendre les ouais là. Tu vois un peu, non, les agressions, c'est les abus de quoi, qu'on entend souvent là-haut, ou les karatékas, ou c'est les quoi, machin. Non, bon, ça c'est Fekafoot. Voilà, excusez-moi. Fekafoot, voilà. Parlons de la Fekafoot, donc. Les gars, quand je passe au stade là-bas, je vois les gars de la première division en train de jonglot de les sachets, mon frère. Ils doivent voir aussi l'eau minérale là dans la bouteille. Ils doivent chopper les shawaman et hamburgers, mon frère. Ce pas les beignets de sang, les gars. Le beignet rassis d'abord. On a un beignet qui a d'abord fait une semaine dans le seau. Le gars brûlait les entraînements. C'est ça qui croque. Avec le sachet d'Ongoma pour Baka la piole. Là, on ne veut plus voir ça. Non, Longambé, nous, on compte sur toi, mon frère. Donc, tu as le soutien de tous les Camerounais. Maintenant, quand tu tiens le voilà, franchement, change les choses. Donc, les gars, on est ensemble. Je vais. Bon, quelqu'un me dit il faut laisser tes conseils. Je ne suis pas en train de conseiller qui que ce soit. Je suis le père de personne. Si je vais donner les conseils, c'est à mes enfants qui sont là-dedans. Je dois conseiller mes enfants. Moi, je donne mon opinion et mon point de vue. Je ne conseille personne. D'ailleurs, je ne suis même pas mieux placé pour conseiller qui que ce soit. Tu vois un peu, non? Bon, voilà. Bon, les gars, on est ensemble. Bon dimanche.